Donc l'expression écrite, troisième partie, toujours le même sujet typique du bac, cette fois autour de 300 mots. Encore une fois, le nombre de mots va avoir une influence sur la manière dont tu t'organises. Et ici, quand je dis 300 mots, c'est-à-dire 250, 300 mots, on est dans cet ordre d'idées. 300 mots, c'est ce qui ira de plus long par rapport à l'expression écrite. Et donc, c'est-à-dire que la manière dont tu t'organiseras sera la plus complète possible. Donc ici, premier pas, introduction. Contrairement à ce qu'on a vu dans la vidéo numéro 2, cette fois, l'introduction est complète. Premièrement, trois parties pour l'introduction complète. Premièrement, soit on resitue un contexte général, soit on définit un terme, soit on fait une phrase d'accroche. Deuxièmement, ce contexte général ou cette phrase d'accroche va permettre d'amener la problématique. Encore une fois, attention aux mots de liaison, aux connecteurs, etc. Il faut qu'il y ait des liens logiques. Et une fois qu'on a annoncé la problématique, soit telle qu'elle, soit par une interrogative indirecte, on annonce son plan. Ensuite, on attaque l'argumentation. On choisit sur un sujet à 300 mots au moins deux arguments porteurs pour chaque partie de l'argumentation. Et on va, comme dans la vidéo numéro 2, on va choisir de finir son argumentation par le point de vue qu'on souhaitera défendre. Dans la vidéo numéro 2, j'avais répondu par le oui. Et ici, je vais choisir de défendre, pour changer, pour vous donner plusieurs exemples, je vais choisir de défendre le point de vue négatif. Donc je dirais que non, ça n'a pas d'influence. Donc j'ai commencé la première partie de mon argumentation par le oui. On a déjà vu dans la première vidéo des arguments qui illustraient cette partie-là. Ensuite, attention, contrairement à la vidéo numéro 2, entre l'argumentation, la première partie de l'argumentation et la deuxième partie de l'argumentation, je vais avoir une transition. Transition très simple, mais il faut qu'elle y soit. Donc déjà, on saute des lignes. Attention à l'organisation aussi, il faut que ce soit clair. Ça participe à la forme de votre devoir. Et la transition, sous un modèle très simple, maintenant, une fois avoir vu et avoir étudié cette partie-là, nous allons voir que, exemple, vous verrez dans la correction, la phrase que je vous propose, elle est adaptée à tous les contextes. Donc, deuxième partie de l'argumentation, avec le sujet, le point de vue pardon, que vous choisissez de défendre, c'est plus pertinent de finir par l'impression qu'on veut laisser au correcteur, donc évidemment par le point de vue que l'on souhaite défendre. Et enfin, dans la dernière partie, conclusion, ou toujours pareil, là c'est surtout ne faites pas l'erreur de reprendre tout ce que vous avez déjà dit dans votre devoir, vous concluez en essayant de faire une petite ouverture et en utilisant le jeu. Donc je vous propose pour ce sujet en 300 mots, 5 points importants à retenir. 1. Introduction complète. Donc je répète, première partie, contexte général, phrase d'accroche. Deuxième partie, lien logique avec annonce de la problématique. Et troisième partie, annonce du plan. Ensuite, argumentation détaillée. On développe des arguments pour et contre, et on finit par la partie que tu souhaites défendre. 4. N'oubliez pas la transition entre les deux parties. Très simple, surtout faites simple, mais il faut qu'elle y soit. Et 5. Conclue, donne ton avis, utilise le jeu. Donc voilà pour la manière de fonctionner pour un sujet de type 300 mots.